Nous avons appelé un article dans le journal dominicain qui est le Listing Diario concernant Amnesty International qui mandé pour le gouvernement, et spécialement le président de la République dominicaine Abinadel, capable de stopper à faire déportation, discrimination raciale qu'a fait sous Haïtiens en République dominicaine, pas seulement Haïtiens qui de façon irrégulière, mais illégale, mais aussi sous des Dominicains et d'origine haïtienne. Je prends un peu de l'article là, que OIM, et depuis 2022, a intervenu dans le dossier ça tout avec nous aussi, a parlé sous dossier là. Mais il y a un nombre qui attire l'attention dans El Semanal, qui est une conférence de presse que le président toujours fait avec tout journaliste dans le pays, chaque lundi, si je ne me trompe pas. Côté opposé des questions sur ce qui a passé dans le pays, il y a plusieurs journalistes qui posent des questions sur ça. Nous sommes capables de regarder le semanal sur YouTube ou bien sur page Facebook. Et pour la présidence de la République dominicaine, nous avons toute référence à ça. Listing Diario, ça fait environ 4 heures de temps. Et si je ne me trompe pas, moi qui ai article publié sur le dossier. Mais ça qui me dit nous qui attire l'attention dans le dossier, chaque fois que vous posez président question sur affaire régularisation travail haïtien en République dominicaine, il a toujours gagné une seule excuse. Excuse là c'est même un cadre électoral, un cadre démologue que haïtien ou pas gagné en République dominicaine aller voir pour passeport, c'est ça qui fait régulariser haïtien ont des gens difficiles. Hadji. M'songe année 2021, comme M. dit tout, il y a un accord qu'il a signé ensemble avec le défunt président Jovenel Moïse, il était sous pouvoir avant la mort, pour que, à travers le consulat haïtien et République dominicaine, pour tout haïtien qui a accès à 4 démalogues et même qui a accès à passeport, côté une brigade qui a été déplacée, même aller à faire passeport pour moun dans l'espace côté où il y a sans qu'il n'y ait pas besoin de déplacer pour aller dans le bureau consulaire. Ça veut dire la majorité des gens qui trouvent en République dominicaine actuellement, là, ils ont 4 démalogues, ils ont 4 ans, 4 travail en République dominicaine expiré dans le mail, ou du moins, ils ont un passeport qu'ils ont fait quand même, même si en République dominicaine, les consulats, les consulats, c'est pratiquement un an à prendre pour bah mon vieux passeport, un an combien de mois, et ça sont d'autres sujets. Mais Abinadel Paka dit qu'en 2024, pour communauté haïtienne en République dominicaine, date mon yon fait document, yon fait passeport, yon veut yon façon pour yon quitter pays, pour c'est à ça pour monsieur ta présenter comme excuse, comme quoi que mon yon pas un bout de papier pour régulariser. Nous conscients vraiment qu'une minorité en République dominicaine qui pas fait document, mais dans moment la mise en majorité monde gon green passeport en mail. Pour qui ça monsieur pas dit comme ça. Bon, yo mentionné ça dans article là tout que depuis 2023 pour dossier bay dossier canal là, monsieur campé tout accès pour haïtien capable légal, étudiant pas ka jeune visa, travailleur pas ka jeune visa, businessman pas ka jeune visa. Personne, même moun ka fait transit dans le pays, ya, pa ka jwenn visa, monsieur campé tout bagay. Et puis, la fait déportation massive. Discrimination, agent immigration, yo, imagine, moun ap mouri nan accident, nan kouri de yo, pour dossier immigration. Nan salle de détention, yo, se bagay, et saleté net ki kote yo kembe moun yo, mette moun yo nan prison, fait moun yo fait an avant ou déporté yo. Chef yo ap abize haïtien pour un pile kòb nan men yo kouri de yo bat yo bay yo kou et nan des milliers de moun ki ap déporté yo plein fòm gwo vant ti moun adolescent ti moun piti et même bébé ki ap maltraité. Alors Lena li commentaire autour en bas jan de article sa yo n'ap wè ki pa gen green dominicain bon peut-être que green ki gen bon sens qui peut-être voyager aller dans l'autre pays, qui a une famille dans l'autre pays, qui a dit vraiment vrai, faut que vous fassiez des choses vraiment.
bagay yo pa doué comme ça, yo pa doué maltraiter moun yo, mais genan ou ki pa gen kè, genan ou ki kriye lan pile. Yo toujours ap di l'autre pays ou bien organisation ou bien ONG ka foure bouche nan dossier République Dominicaine pou ki sa ou pa pran ayisyen sa yo avec yo dans l'autre pays, les n'ap li commenter. Mwen pa men li commenter sa yo. Parce que je me sentis que je réponds à chaque grain de commentaire pour me dire des boules de vérité. Mais non, ce n'est pas ça qui peut apporter une solution. Mais à faire excuse à président, rase ensemble avec elle pour dire que c'est à cause des 4 identifications ou bien passeports qu'il ne faut pas régulariser. Un secteur qui est si important en République dominicaine, qui se met devant ici, ni dans la construction, ni dans l'agriculture dans le pays. Pendant ces temps qu'il est ça, juste parce qu'il y a une crise là, et Venezuela, côté bagay dossier, nous connaissons un dossier nèg là qui campe tof dans pays Venezuela, qui c'est lui pour régner, etc. Qui ça le campe? Nous pral régulariser tout Vénézuélien qui trouvait de façon irrégulière dans pays là, comme une démonstration de compassion pour ça qui a passé. Pendant ce temps, monsieur, secteur qui est plus important dans le pays, dans l'économie pays, à part des touristes, c'est secteur construction ensemble avec secteur agricole. Qui est-ce qui a fait travail ça? C'est Haïtien qui a fait travail ça. Combien de Vénézuéliens nous voyons qui sont en construction, qui sont en agriculture, qui travaillent la terre en République Dominicaine? Pas gagné. Si gagné le minimum pile. Pendant ce temps, Haïtiens qui a travaillé depuis des années, c'est eux-mêmes qui a maltraité. Petit, ils n'ont pas de documents dans le pays. Ils mettent toutes les choses difficiles pour la communauté haïtienne. Jusqu'à présent, peut-être qu'ils sont capables de dire comme ça, bon, c'est pays, ils prennent des décisions, ils veulent, ils violent les droits de gens, ils veulent, c'est tout droit haïtien. Bon, droit haïtien qui plus pas respecté là-bas. Ou pral dire que c'est faute pays nous, faut pays nous ta développé. En partie nous gain raison, faut que ce pays nous ta ban nous respect devant la République Dominicaine. Nous ta arrivé nos niveaux pour que haïtien pas gain nécessité entrer al travail en République Dominicaine, al chercher la vie en République Dominicaine, al mettre tête à l'abri en République Dominicaine. Nous ta doit gagner yon façon pour que nous capable rester dans pays. Mais malheureusement nous pas gain moun k'ap penser pour ça. C'est division qui gagne en Haïti. OK, côté nèg ak zam a fait la loi et puis tout même sous temps des gouvernement monter gouvernement descend, on pas connait dans combien années a besoin une solution avec crise Haïti a. À tel point que bon, tellement gagne problème dans pays a. Moun sa ou capable prendre humiliation République Dominicaine, nan droit a violer République Dominicaine nan. Nous pas que jamais tendez bon un nouveau gouvernement là, nous pas que jamais tendez côté gain des musiques qui prend ou bien t'as de gain des paroles qui dit bon mes amis, nous comprendre, nous conscient ça que communauté haïtienne a sibi kay voisin, n'a créé un programme, n'a commencé faire des bagailles qui pour permettre moun yo pas al immigrer tête là-bas comme ça. Mais malheureusement, pour pas jamais tendez bagailles comme ça. Et même crise là qui en Haïti a jusqu'à présent nèg yo pou ko ka gérer, nous gen Kenya ou là qui rentre dans pays a jusqu'à présent nous pou ko gen un bon résultat. Alors ça ka passer comme ça, mais hey, faut nous voyager sous frère nous yo ka prend humiliation en République Dominicaine. Yo pas respecter personne, même si moun nan m ka comprendre que moun yo illégal. Mais qui ça que fait illégal? Pas émotion, président Abinadel, elle dans des dossiers canal, li mette sanctions sous pays, avion pas volé entre des pays, frontières fermées, pas de façon pour checker, et pas de visa. Comment qu'on y a ou voulez pour moun entrer la caillou? Ok, si vous pas mettre façon pour moun légal la caillou, ou pas qu'à mettre déportation tout, non? Sauf si tout faut camper tout bagay sa ou boudou ap nettoyer pays ya et se laver mesi atelier, pas jamais pas gen sacré lo migration illégale la République Dominicaine. Ke te gen visa ke pa gen visa moun ap traverser, bon allez wè kon ya pa gen visa, pa gen moyen pour moun légal. Bon c'est kon ya moun ap entré. Moun de bien des professionnels a payé 15 000 20 000 pesos pour arriver en République Dominicaine. Bon si tout si la ou ka bat pour quitter pays ya. Qui laisse à gagner un ami qui fin appliquer jeune visa familial pour l'entrée et quelques membres familiers ici là deux monde li contacter moi
moun yo gen visa nan men yo pa ka voyaje. Konnen m kontakte un zanmi ki m konnen ka fonksyone nan dosye ajans la ba ki eseye oriente moun yo. Nou konn konbyen moun yo paye pou yo pase nan airport la. Parce que on visa l'expiré, on qui pas qui te gen visa, visa fini, li pa jamais ka meton sou République Dominicaine. Yo fait on paye $1,700 américain, yo fait on paye $1,900 américain pour yo passer dans airport là pour yo venir Mexique. République Dominicaine, c'est lui même qui connecte Caraïbes là avec un paquet de pays. Yo gon climat tropical, touriste pour aller dans pays, yo fait pays yo belle. Et ben pour qui ça Haïti pas ka gen gens de connexion ça. Pour qui ça Haïti pas ka gen unité mettre son degrin vol par mois entre Mexique et puis tout avec pays a. Ici la gon communauté haïtienne souvent qui besoin ça. OK, étant en Haïti, gen moun ki kon besoin vini Mexique là, tout côté au besoin aller là, excepté la France, Canada, États-Unis, Panama, ou obligé passer par la République Dominicaine. Même vol Brésil pa gen parce que nous malgré nous gon grand communauté haïtien ka vive dans pays Brésil. Alors, pour capable conclure vidéo ça, président Abinadel, bon c'est politique par la faire, li gon deuxième mandat nan mel, mais pas mettre ça ça banal en pile, pas mettre ça comme excuse. Mais ça fait milliers pays d'Haïti comme quoi même mon carte identification nationale, l'état haïtien pa ka bay citoyen le qui trouve la République Dominicaine. Ça c'est bag ancien bagay mi ça parler là. Bagay année 90 sur les moun ta pral République Dominicaine, moun nan pa gon bout de papier, moun nan pa gon green baptiste, on green bay nan mel, mais kon ya non mes amis. Imagine au concile là ou bay 4 demalog là qui c'est 4 identification nationale haïtien. Yo bay yo. Malgré des fois au printemps pour bay yo, mais oui moun yo joine yo quand même. Actuellement là, m capable di majorité moun ki trouve l'Ouk Dominicaine gon green passeport nan mel quand même, l'ap tannon lè soit pour quitter pays ya ou bien lè ou bay visa pour mettre visa. Ou pa ka utiliser ça comme excuse, comme quoi c'est parce que même mon bout de papier ou pas gen envie régulariser ouvri nous veut les mettre en programme mais moun sa ou pas gen aucune identité. Ah en sérieux mes amis, qui c'est ça madame Dupi? Ou gen travail nan mon là, gen travail nan mon, on pense que quand même faut qu'on chita parler entre des pays yo, parce que faut nous penser avec communauté ak là-bas, non pas qu'à penser seulement dans dossier politique nous orgueil nous ceci cela. On pas dit pour nous rabaisser nous devant la République Dominicaine, mais faut qu'on chita quand même. Quittez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et puis tout pas oublier partager vidéo ça, quittez un like là-dedans et puis partagez-le pour plus monde capable joindre. Si vous pouvez suivre moi. Léonard Show, Léonard Show tout côté, à la prochaine.